Les femmes mariées, écoutez très bien. Écoutez très bien. Quand une tisa ne t'a pas cherché de sa position, ne cherche pas cette dernière. Écoutez très bien. Quand une tisa ne t'a pas cherché. Voilà les amis, aujourd'hui Kelly a trois conseils à donner aux femmes qui veulent garder leur mari longtemps. Ah bon hein? Qui veulent conserver leur foyer. Ok. Les célibataires, excusez-nous un peu, ça ne vous concerne pas. Vous comprenez? Femmes mariées, écoutez attentivement quand vous aimez frapper sur les tisas là. Écoutez bien. Écoutez très bien. Les femmes mariées, écoutez très bien. Quand une tisa ne t'a pas cherché de sa position, ne cherche pas cette dernière. Vous comprenez? Ce n'est pas elle qui est venue draguer ton mari. C'est ton mari qui est allé vers elle. Ça, c'est clair. Et peut-être que même quand ton mari partait même vers elle, ton mari ne lui a même pas dit qu'il était marié. Parce que ces hommes-là, généralement, vont toujours dire que non, c'est parce que je ne suis pas mariée. Ou bien ma femme vient de divorcer. En vrai? Ou bien je suis en voie de divorce avec ma femme. Je t'ai dit que... Donc, n'en voulez pas à cette dernière parce que ce n'est pas de leur faute. Mm-hmm. Vos maris sont avec vous à la maison. Mm-hmm. Baisez-les bien. Jésus! Traitez-les bien. Vous comprenez? Prendre ton téléphone, appeler la tisa, c'est la pire des choses qu'une femme mariée puisse faire. Est-ce que le volume est bon? Niaissez-les bien. Si tu as affaire à un homme qui te demande du sexe à tout moment, qui veut faire l'amour avec toi à tout moment, chaque jour, chaque instant, estime-toi heureuse. Estime-toi heureuse. Voilà. Parce que celui-là, au moins, il ne te trompe pas trop. Comme celui qui ne te demande presque jamais le sexe. Ah bon, hein? Est-ce que le volume est bon? Oui. Parce que vous, là, quand on vous parle, ça entre ici, ça sort de ce côté. Je t'ai dit que... Oh non, mon mari aime trop, mon mari aime trop le sexe. Mon mari aime trop faire l'amour. Yes, mon mari. Estime-toi heureuse, ma chérie. Très heureuse. Mm. Parce que ce dernier-là, il aime la chose-là. Ah bon, hein? Il aime ton corps. Si il aime la sensation qu'il ressent avec toi. Donc, sois très heureux, sois fière de ce monsieur. Vous comprenez? Et donne-lui ça, ma chérie. Ouais, maman, est-ce que papa nous apprend le temps? Vous allez voir, la majorité des hommes qui aiment trop faire l'amour, là, ils ne durent pas, eux. Hmm? Ils ne durent pas. Les gars tapent les 2 minutes, 5 minutes maximum. Le gars est assuré, il dort. Eh oui! Parce que vous devez comprendre, c'est que. Là, c'est à l'autre chose. Il y a faire l'amour et il y a mou. C'est deux choses différentes. Ah bon, hein? Donc, quand le gars te dit que maman, ouais, pardon, juste un peu. Ça veut dire que c'est seulement le peu là qu'il veut. Donc, le peu là. Ach. Est-ce que le volume est bon? C'est donc, bon, voilà. Maman. Ma chérie, les hommes ne sont pas difficiles à vivre. Ah bon? Les hommes, en général, ou bien la majorité des hommes ne sont pas méchants. Mm-hmm. La majorité des hommes envers nous, les femmes, parfois on trouve que non, ils sont trop méchants, ils sont trop exigeants, ils sont trop ceci, ils sont trop ça. Ma chérie, toi qui me regardes, c'est parce que parfois, nous ne les comprenons pas. Mais oui, c'est clair. C'est parce que parfois, on ne comprend pas le langage de ces hommes-là. Vérité. Quand tu vas apprendre à comprendre le langage de ton mari, ça serait la fin de tes problèmes dans ton foyer. Ça, c'est un secret que je vous donne. Ça, c'est clair. Ah bon, hein? Ça serait la fin des problèmes dans ton foyer. Parce que dans le foyer, il y a trois règles. Ah bon, hein? Il y a le respect. Il y a le sexe. Et il y a le ventre, la nourriture. Quand tu as respecté les trois critères, les trois là, si tu respectes ça à la lettre, tu serais la reine, la déesse de son cœur. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Parce qu'on parle là, ça ancre ici, ça ressort là-bas. Oh les femmes là, vous avez bien compris les trois conseils là, mettez ça en pratique. Mettez-les en pratique. Le volume est bon, non? Vous êtes tous les premiers à vous plaindre. Oh, mon gars est trop voyou. Mon gars est trop infidèle. Mon gars drague ma copine. Mon gars est monté, mon gars est descendu. Toi-même, tu fais quoi à la maison? Est-ce que tu mets en pratique tout ce que tu as compris là? Parce qu'on vous parle, vous dites non, c'est rien, je maîtrise. Mettez juste ce que vous venez de comprendre là en pratique. Vous-même, vous allez voir comment vos hommes vont changer. Vous allez voir le résultat en face. Mettez un peu ça en pratique. Il y a toujours les femmes là, quand on leur donne des conseils comme ça, elles ne veulent pas partager la vidéo. Likez la vidéo, partagez. On est où là? Quand on donne des bons conseils comme ça, il faut profiter, partager aussi pour que les autres profitent aussi, non? C'est pas ça. Donc arrêtez de vous plaindre de vos gars à la maison. Jouez d'abord votre rôle et jouez bien votre rôle. Et après, vous allez voir le résultat. Wow.
Vous comprenez dans la compréhension? As, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, obsèques et funérailles et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. As, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.